Bienvenue à extraire l'essentiel de la respiration pour comprendre l'anatomie du diaphragme. Le diaphragme est un muscle qui est à la base des poumons, à la base de la cage thoracique, et bouge avec chaque respiration. Le mouvement des poumons fait bouger le diaphragme. Si on comprend que le diaphragme est un muscle qu'on appelle squelettique, les muscles squelettiques les plus populaires ou les plus communs, peut-être vous connaissez le biceps, le triceps, le quadriceps, l'ischio-jambier, il y en a plusieurs. Et si on comprend leur fonctionnement de ces muscles squelettiques, on peut comprendre les mêmes caractéristiques par rapport au diaphragme respiratoire. Un exemple que vous saviez, je pense déjà, c'est qu'un muscle qui est tendu, d'abord, on doit le réchauffer avant de pouvoir le bouger à son pleine amplitude et de l'étirer même. De la même manière qu'avant de faire un sport, on va peut-être vouloir se réchauffer avec des mouvements relativement faciles avant d'entreprendre l'effort, le sport, l'action désirée. C'est exactement le même principe avec le diaphragme respiratoire. C'est-à-dire, si on a des tensions dans ces régions et dans les régions associées, ça peut causer une limitation dans son amplitude. Cela dit, vous avez peut-être visionné l'autre vidéo où je mentionne l'importance d'une respiration confortable. Ceci est pour appuyer le même phénomène, la même compréhension, que si le diaphragme, comme un muscle squelettique, est tendu, on ne peut pas aller l'étirer, ça peut peut-être même déchirer des fibres. Si je répète pour clarifier, si le biceps est tendu et j'essaye de l'étirer, ça se peut que je cause plus de mal que de bien. Alors c'est le même principe avec le diaphragme, que s'il est tendu et je force une respiration profonde, cet effort est au-delà de ce que le diaphragme peut faire en ce moment. Cela dit, l'application la plus efficace, c'est de faire des respirations qui sont confortables, peu importe le rythme et peu importe la profondeur. Et ces respirations confortables vont réchauffer le diaphragme, ce muscle, comme on réchauffe nos muscles avant un sport. Les respirations confortables vont réchauffer, amener la circulation, de la chaleur, etc., qui à leur tour, naturellement, vont relâcher les tensions dans le diaphragme et le résultat étant des respirations confortables, profondes et équilibrées. Si vous voulez pratiquer avec moi pour extraire l'essentiel, afin de pouvoir continuer de le pratiquer ainsi, je vous invite de rester soit dans une position debout, assise ou allongée. Et une fois bien placé, assurez que le corps soit confortable. Quand le corps est confortable, ça favorise une respiration confortable et vice-versa. Prenez le temps alors, une fois installé, de ressentir la respiration. Ressentir et observer sont les verbes non contrôler ni ajuster. Observer, ressentir, la respiration la plus naturelle. Et remarquer quelle partie du corps gonfle et dégonfle en réponse au mouvement de la respiration, de l'air qui rentre et qui sort. Ça se peut des fois que vous vouliez relâcher un soupir ou même un son, tout est bienvenu. Et lorsque vous continuez d'observer cette respiration, permettez-la de s'apaiser dans son rythme le plus confortable. Si c'est possible, équilibrez la durée des inspires avec la durée des expires. Et au fur et à mesure que vous continuez à observer et permettre une respiration confortable, vous allez sûrement ressentir comment ceci s'approfondit et se ralentit naturellement. Peu importe la position dans laquelle vous êtes, je vous invite de ouvrir vos yeux. Et avec les yeux ouverts, de remarquer que vous respirez encore. Et simplement de vous déplacer dans la salle, de marcher librement,
tout en étant conscient, consciente de la respiration. Ceci entraîne le cerveau de pouvoir être conscient de la respiration pendant qu'on fait des actions au quotidien. C'est pas qu'on arrête un pour faire l'autre. Et puis ce qui existe en même temps, est-ce qu'on peut être conscient, consciente des deux, l'activité et la respiration, en même temps? Ceci était extraire l'essentiel pour comprendre l'anatomie du diaphragme. D'autres vidéos suivront pour compléter, approfondir et mieux comprendre et pratiquer, surtout en sortir les bienfaits. D'ici là, respirez bien et à la prochaine !